Je passe maintenant la parole à Monsieur l'ambassadeur du Maroc à Rome. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez vous rendre au podium. Merci. Grazie mille. Vorrei innanzitutto ringraziare e rendere omaggio a Deborah Bergamini per l'invito, l'organizzazione splendida di questo evento e salutare rispettosamente l'onorevole ministra e la sorella ministra Algerina che ha parlato e con la quale condivido tutto ciò che lei ha detto. Je vais évidemment tourner vers la langue française pour des raisons démographiques liées à la présence maghrébine dans cette salle. Et je ne vais pas parler avec mon chapeau d'ambassadeur du tout. Je vais parler en maghrébin, convaincu et même militant. Et je commencerai par saluer l'extraordinaire épopée tunisienne et remercier professeur et mon ami Aziza d'avoir brillamment géré et avec beaucoup d'éloquence cette expérience ce matin. Je voudrais aussi, en rendant hommage à la Tunisie, dire que le front démocratique maghrébin se renforce. C'est pour moi l'espoir, enfin, d'un projet maghrébin caressé, qui de toute façon, et j'en parle en tant que négociateur des accords post-Marrakech, etc., que ce rêve n'est pas possible sans l'état de droit et sont les règles minimales de démocratie et de droits de l'homme. C'est une évidence. Et sans succomber à notre péché mignon maghrébin qui mélange à la fois l'autoflagellation et l'autosatisfaction, je dirais simplement que nous avons encore du chemin à faire, et particulièrement sur ce territoire des droits de la femme et de l'égalité des femmes. Je ne serai pas un féministe masculin, pas du tout. Je suis plutôt dans le club du genre de François Giraud, qui disait qu'on atteindra la parité le jour où on nommera une femme incompétente à un très haut niveau de responsabilité. Je suis dans cette logique. Et étant dans cette logique, je dois aussi prendre en charge les réalités brûlantes, qui sont celles de notre région sud, mais aussi nord. Parce que désormais, il n'y a plus de frontières nord-sud. Ici, en Italie, il y a beaucoup de sud. Chez nous, au Maghreb, il y a beaucoup de Nord aussi. Donc, cette frontière est totalement artificielle. Et la crise que nous affrontons en commun va, d'une part, nous enlever notre peur, réciproque, pas pour les mêmes raisons, et va nous permettre enfin de travailler ensemble sans arrogance, sans complexe d'infériorité que nous avons traîné jusqu'à présent dans le sud de la Méditerranée, et même la peur. Parce que ce qui se passe, qu'on qualifie de printemps arabe, pour moi, c'est tout simplement la fin de la peur. Et cette fantastique énergie qui libère nos forces, notre imagination créatrice, etc. Donc, n'ayant plus de sud, je dois voir la réalité en face. Dans les 10-15 prochaines années, il faudra employer 30 millions de femmes dans le nord de l'Afrique. 30 millions de femmes et 20 millions d'hommes. Sans une réponse crédible à ce défi, je crains fort que, comme l'a dit avec une éloquence incomparable Mme le ministre Adma Abdallah, les droits, les conventions internationales serviront à rien. Rendre autonome la femme signifie d'abord l'employer. L'employer, c'est l'éduquer, etc. Et c'est dans la cellule familiale où ça commence, parce que j'ai quand même été élevé par ma mère. Elle m'a pas appris l'arabe, c'est vrai. Mais elle m'a élevé, elle m'a donné les valeurs, nos traditions qui font notre identité. Dans un pays, et je dois le rappeler, qui a fait que la première université, probablement une des premières de la Méditerranée, on dit même du monde, Al-Qarawiyyin, a été fondée par une femme, Fatima Al-Fihriya. Elle a été fondée avec un esprit qui me fait penser aujourd'hui que nous sommes en train de régresser. Cette université a formé des rabbins. Elle est islamique et dans une mosquée. Elle a formé deux papes dans Tchézi, 9e siècle. Et je me dis, si cette société, et je rejoins un peu cette déclinaison du paternalisme que Madame la Ministre a rappelé, si cette société qui, avant d'être islamisée, puisque l'université a été faite au début de l'islam au Maroc, dans un pays partiellement judaïsé, partiellement christianisé, comme l'Algérie exactement, c'est la même culture, le même peuple, c'est que quelque part aujourd'hui on est en retard. Et ce qui se passe
depuis quelques mois nous ramène à cette réalité que l'Europe doit enfin comprendre, c'est que l'islam peut permettre la démocratie, n'est pas incompatible avec un statut honorable et libre et paritaire pour la femme, et que ces préjudices ou ces préjugés devraient s'arrêter, et peut-être que l'Europe devrait commencer par faire son mea culpa, d'avoir été non pas complaisante, mais complice, à la fois de la lecture de cette menace qu'on a toujours secouée, attention, les terroristes, les islamistes vont confisquer notre patrimoine commun de valeurs, et que la réalité malheureusement démontre sous une autre facette, et faire son mea culpa sur la manière avec laquelle nous avons traité cette rive sud de la Méditerranée au nord de la Méditerranée. Le vrai défi, et je sais que ce n'est pas le moment le meilleur pour l'Europe de penser Méditerranée, demain au sommet à Bruxelles, je ne suis pas sûr que la Méditerranée sera évoquée, je suis même sûr du contraire. Je ne pense pas que l'Union européenne soit en mesure de s'endetter pour financer le développement dans le sud de la Méditerranée. Donc nous sommes enfin sur un pied d'égalité entre les deux rives de la Méditerranée, et je suis enfin très optimiste, parce que étant sur un pied d'égalité, enfin nous allons travailler normalement. Enfin, nous allons réfléchir vraiment ensemble, parce que je n'ai pas de leçons à recevoir, y compris dans le grand secteur de la démocratie. Je n'ai pas de leçons. La démocratie n'est pas la cité idéale de Platon. Nous sommes des humains, nous sommes faibles, nous évoluons avec l'histoire, avec son matérialisme, avec ses complexités, en fonction des facteurs que nous avons en main. Donc si on n'est plus capable de nous donner des leçons, c'est qu'on est capable de fabriquer la leçon commune, les valeurs communes, pour répondre à des défis qui menacent non seulement le sud de la Méditerranée, mais le nord de la Méditerranée, ou le sud du nord de la Méditerranée. Et dans ces conditions, il s'agit de réinventer cette Méditerranée, de prendre acte, comme l'a dit tout à l'heure un éminent orateur avant moi, de la faillite de ce projet méditerranéen commun. Et peut-être que la femme a un rôle absolument central à faire. Si la femme était au pouvoir au Maghreb, je suis sûr que le Maghreb aurait été aujourd'hui une réalité. Parce que la femme a été dans la lutte pour l'indépendance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous le savons, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et ailleurs, elles ont joué un rôle absolument considérable. Alors peut-être qu'elle se décarcasse un petit peu, c'est-à-dire qu'elle croit plus en elle-même, qu'elle soit plus audacieuse et qu'elle, au-delà des chiffres... Mais je vois une expérience qui est celle de mon pays où j'ai vu ce que les femmes ont apporté au Parlement, avec quel courage et quelle dextérité elles ont mis en porte-à-faux, nous les hommes masculins, et dans notre, je dirais, incompétence collective. Sans les femmes, je pense que ce mandat parlementaire de cette session n'aurait pas produit les résultats, avec tous les défauts de cette démocratie dont on l'a qualifiée. Mais moi, j'y crois personnellement. Et la meilleure preuve, c'est qu'à l'ambassade du Maroc ici, le personnel cadre est en majorité féminin. Et ce sera encore plus le cas, puisque je pense, quand on aura complété l'équipe, il y aura 80% de femmes comme diplomates dans cette ambassade. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça va tout à fait dans le sens de l'histoire. Et je vous remercie pour votre attention. À l'ambassade.